Coucou, bienvenue dans Bad News, l'émission préférée des 0-3 ans. Tu t'attendais à ce que je rigole? Pas du tout. C'est juste que je me rends compte de mon âge. Et bref. Mais alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'émission? Vous aimez les audios? Vous aimez beaucoup les osios? Les gros, les petits osios? Ceux qui font cuicui et ceux qui font miaou? Non, les osios font pas miaou. Eh bien, regardons tout de suite cette vidéo de Piu Piu. Regardez bien. Ils se sont cassés la margoulette, tous les osios en même temps, ou alors ils font un gros dodo. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? On sait pas, mais en tout cas, ils ont été très fatigués pour tomber tous au sol en même temps comme ça. Peut-être que c'est un gaz toxique, peut-être que c'est mamie qui a pété. En tout cas, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais c'est super impressionnant de voir autant d'oiseaux qui meurent, pardon. D'oiseaux qui font dodo en même temps. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité pour les 0-3 ans. Je vous rappelle qu'on est là dans une émission où il n'y a plus Ariel parce qu'Ariel a fait bien trop de bêtises. Oui, oui, oui. On lui a dit va-t'en, va-t'en, les enfants ont peur de toi. Les enfants lui jetaient leur caca dans la rue. Mais c'était très gênant parce que les enfants étaient obligés de baisser leurs pantalons, faire caca dans leurs mains et après jeter sur Ariel. Ça prenait un temps infini. Bref, Ariel n'est plus là. Et voici En Bref de Pauline. En Bref. C'est l'histoire d'un papy et d'une mamie qui sont très heureux. Pas trop, parce que mamie, elle perd un peu la tête. Pou, 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 pou. C'est ce qu'on appelle de la démence. Oui, mamie, elle est démente. Mais ça arrive. Et papy, il comprend. Par contre, ce qu'il ne comprend pas, et ce qu'il ne savait pas, c'est que mamie, elle avait rencontré un autre monsieur qui avait fouillé dans la boîte à secrets à mamie 50 ans plus tôt. C'est loin, hein? Oh là là, ouh, je m'en rappelle plus. J'aimerais tellement retrouver ces sensations du passé, elle disait mamie. Mais papy, il n'est pas content du tout, parce qu'il s'en rend compte 50 ans après que... Bah, il est... comment on appelle ça, les oiseaux? Coucou? C'est ça, il est coucou. Oh là là, t'as pas honte de m'avoir caché que tu avais montré ta boîte à secret à quelqu'un d'autre? Je vais te punir. Et là, papy, il va chercher le fer à friser. Oui, il le met à chauffer et l'enfonce brûlant dans la... Bonjour, Davy. J'ai 3 ans. Bonjour, Romuald. Et c'est ma maman qui écrit parce que je sais pas écrire. Bonjour, maman de Romuald. J'ai beaucoup de malheur dans ma vie. Hier, Enzo m'a piqué mon goûter et il me l'a pas rendu. Alors je l'ai dit à la maîtresse qui me l'avait piqué et elle l'a puni. Romuald, cette bagnose, c'est vraiment de la merde. Tout le monde s'en fout de ton goûter de merde. Puis bagnose, c'est à la base, c'est pas pour les enfants. Qu'est-ce que tu fous là, connard? Bon, rendez-vous mardi à 17h45. C'est en vrai, bagnose pour les enfants, je pensais à pas d'avenir. Non, je crois pas non plus. Non? Pourtant, Eleanor, beaucoup de gens ne savent pas où te mettre dans quelle catégorie. Et tu sais que hier, 2 fois, on m'a demandé si j'étais majeure. Oui. Et tu réponds? Je réponds... J'ai répondu quoi? J'ai répondu non. Non, mais je sais plus comment j'ai répondu non, mais j'ai répondu non. Alors que t'as une voix tellement de fumeuse de hashish, là. Alors que c'est pas du tout ça, j'ai fait du scout. Mais oui. Rendez-vous mardi à 17h45 pour une vraie bad news. Passez un très bon 1er avril, vous tous. Là, la cadreuse vient donner un coup dans la caméra, ça ne se fait pas du tout. Merci beaucoup à Eleanor de m'avoir accompagnée pendant cette bad news. Je vous rappelle qu'elle pousse toujours, on n'a toujours rien vu. C'est vrai, ça fait toujours... Allez, passez un très bon 1er avril, ciao. Que la montagne est belle, comment peut-on imaginer?